Bonjour, des faire-part aux photographes en passant par l'organisation du retour, les alliances, le costume, la robe, le traiteur, la déco, les animations. Chateaubriand accueillait fin novembre le salon du mariage. Pour ne rien oublier ou ne rien négliger, le jour J, environ 270 000 mariages sont enregistrés chaque année en France, chiffre stable depuis 3 ans. Coût moyen d'un mariage, 11 800 euros. Alors ça fait des années, je dirais que ça fait peut-être 20 ans. On a démarré par une simple exposition sous le marché couvert des premières années, d'une volonté effectivement de quelques commerçants qui ont encouragé les suivants. Donc c'était plus une exposition au départ qui existait en centre-ville. Ça a pris de l'ampleur. Donc après, on était à deux expositions en même temps, une sous le marché couvert et une sous chapiteau. Le chapiteau avait un défilé de mode, alors que nous, sur le marché couvert, c'était pas possible, mais on regroupait encore plus de commerçants. Donc ça faisait deux pôles très attractifs, avec des promenades en calèche dans la rue, avec des mariés, etc., etc. Ce qui fait que ça amenait quand même beaucoup de personnes à venir voir le salon. Et là, maintenant, ça fait, je sais pas, moi, 5-6 salons qu'on organise. On en organise un tous les deux ans. Bon, c'est pas toujours facile d'encourager les commerçants parce que c'est du budget. Mais en contrepartie, c'est une très bonne publicité. Et donc, plus ça va, plus ça se passe bien. On est encore dans des régions où le mariage est resté une tradition. Donc, ils feront toujours appel à beaucoup de corps de métier, le restaurateur, le fleuriste, le photographe, le bijoutier, les robes de mariée, les costumes, les alliances, enfin, tout ce qui entoure le mariage. Il y a effectivement des corps de métier qui deviennent fréquents maintenant. Ce sont justement des organisateurs de mariage. Parce que pour des parents, plus le couple de mariés, d'organiser un mariage, c'est quand même tout un travail. Ils essaient de bien planifier tout ce qu'il faut faire, mais il y a des sociétés, comme on a sur un stand ici, comme une idée par exemple, qui organise, qui veut bien s'occuper de tout. Du traiteur à la salle, à la robe de mariée, à la déco de salle. Ça, ce sont des nouveaux métiers qui peuvent permettre aux jeunes mariés de ne pas courir partout et de faire appel à cette personne-là, qui doit leur donner plusieurs adresses et qui après leur permet de ne rien oublier, puisqu'effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à penser quand on organise un mariage. Alors c'est beaucoup de travail, la préparation c'est un an à l'avance. Les mannequins viennent d'une agence de Segré et c'est une agence professionnelle. Ce sont les exposants qui sont sur place, les boutiques de prêt-à-porter qui défilent sur le podium. La cerise sur le gâteau, c'est le défilé. Et vous l'avez peut-être remarqué parmi les mannequins du défilé, Cindy Fabre, Miss France 2005. It's a celebration.